que YouTube recommence. Ils ont pris l'anguille, les petits salopards. On était en train de parler avec le chat de la prochaine campagne et d'un mode que j'aimerais bien tester, qui est fait par un membre de la commu, qui rajoute plus d'events, qui est fait par Thanos Ball, et qui rajoute plus d'events d'invasion qui ressemblent un peu au chaos, genre invasion de Skaven, invasion de Pauverte, invasion de mort-vivant, avec des events comme ça, vraiment à la manière de ce qu'on peut avoir pour le chaos, quoi. Et ça peut être assez cool. Ça peut pimenter une campagne, jouer à une campagne un peu facile, quoi. Avec ces events qui pimentent bien les choses, ça peut être très cool. Ça pimente la campagne sans la transformer complètement. Ça me plaît. Mais oui, c'est vrai que c'est assez cool. Et du coup, on parlait du fait que les invasions du chaos, faudrait quand même les revoir pour le 3. Mais moi, je pense que ce sera le cas. Hein. Je vois pas comment elles peuvent pas être rework, en fait. Hein. Ne fût-ce qu'avec l'arrivée des démons qui vont changer énormément la donne. Merci d'avoir rejoint. Merci Dimbaro pour les 3 mois. Merci pour ces bons moments, avec plaisir. Mais je sais pas, on verra. On verra, on verra. Ah. Y a quoi là? Hein, c'est une ville mineure. Bon, peu importe, avec juste ça. Y a pas de mage, évidemment. Ça sert à rien de recruter, c'est trop tard. Shut up, demon. Merci Arcanic Mojo pour les 6 mois. Ça pimente la campagne tout le long. Testé et approuvé. Quand tu les mets tous, c'est jouable mais difficile. Ah ouais? Ouais, faudra vraiment que je vois ça. Mais à jouer avec une faction plutôt solide, quoi, qui se défend bien. Ouais. Peut-être les nains. Oh, les nains avec une invasion, avec des invasions qui pop Skaven Pauvert. Quel enfer. Du coup, le chaos universel aura des démons ou pas? Ben, on sait pas pour l'instant, mais... Moi, je pense que oui, d'une manière ou d'une autre, le chaos universel pourra recruter des démons en quantité limitée, mais il pourra. Mais ça, c'est une supposition de ma part, ce n'est pas une... Enfin, j'en sais rien, quoi. Que penserais-tu d'un système où il faut accomplir des batailles de quêtes pour réduire ou ralentir l'avancée du chaos? Tu veux dire des trucs spécifiques, enfin des batailles spécifiques à faire, et en fonction de si tu réussis ou tu échoues, l'invasion du chaos augmente en puissance ou diminue en puissance? Il y a beaucoup de manières de rework... Ah, mais quel relou. Il y a beaucoup de manières de rework tout ce qui est chaos et tout. Hein. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire comme choix. Ouais, tout ça, c'est des possibilités. Il y a moyen de faire des trucs avec... avec tout ça, sans aucun problème, hein, mais... Aucune idée de ce vers quoi ils vont aller, quoi. Va vraiment me falloir une armée de plus, hein. Et une vraie. Ce qui va ralentir sérieusement mon expansion. Allez, Elbron, mine-toi. Il faut que j'en finisse avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui. Encore une armée qui va aller dans le... C'est le cimetière des éléphants des... C'est le cimetière des éléphants des troupes hommes lézards, ça. Encore un qui va aller là. C'est encore un... Ah non, c'est un Slan, celui-là. Ouh, il y a beaucoup de personnages en plus.
J'ai des investissements à faire aux normes, au fait. Je crois que ça va tenir. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Tadzis pour les 7 mois. Magnus did nothing wrong. Magnus? C'est qui encore Magnus dans le lore? C'est un impérial, mais je me souviens plus qui c'est exactement. Va falloir se débarrasser des sœurs quand même. Bah, il y a beaucoup, beaucoup de monde dont il va falloir que je me débarrasse. On n'y est pas encore. Non mais attendez, parce que Magnus... Ah oui, mais il y a un perso dans 40k, mais il y a aussi dans Warhammer Battle un perso Magnus. Dans 40k, c'est un démon primarque. Dans Fantasy, c'est un ancien empereur. Ah voilà. C'est marrant quand même tous ces croisements de lore, enfin tout croisement, c'est pas le même personnage, mais ils réutilisent quand même beaucoup de codes de l'un dans l'autre. Ils font beaucoup ça, hein. Yes. Oh, à chaque fois que je découvre des unités là-dedans, je vois qu'il y a plus de saloperies. Ouais, faut vraiment que je reste en défense. Bon, Malekith, c'est plus possible, il peut pas rester là, quoi. Partir en Bretagne. Attendez, je suis en train de m'éparpiller dans le monde là. Des armées partout. J'ai Elbron qui est là. Une arche ici, une arche là. Deux arches là-bas. Une armée là. Malekith qui est là. Morati qui est là. Après, Morati, elle pourrait bouger, non? Si elle bouge, elle va où? Non, pour l'instant, c'est compliqué de les bouger parce que, en fait, dès que je bouge une armée dans cette réalité, dès que je bouge une armée, c'est un peu chiant parce que du coup ça me fait automatiquement une grande portion de territoire qui devient non défendable. Finir les Bretoniens, j'aimerais bien, mais finir les Bretoniens, franchement, c'est un projet en soi. Hein. Ça veut dire qu'il faut envoyer des armées en Norska et la Norska, c'est lent à conquérir, il faut beaucoup de temps. Faudrait d'abord que j'achève l'armée transfuge là. Oula. Ah oui, mais ils ont eu des renforts. Oh, l'armée de merde! Eh ben, dis donc. J'ai des lanciers? Non? Pire choix, mais ok. J'ai même pas un petit lancier, genre pour mettre devant la porte et après sniper les bébêtes qui vont rentrer. Non, rien, rien. Oh,
les balistes qui vont arriver derrière. Oh, et la ville, c'est une ville toute petite. J'ai pas la place pour faire quoi que ce soit. Où est le centre? Ah, mais il est là. Il est au centre. Il y a quand même deux gardiens des temples, juste histoire de pouvoir prendre les... Oh là là, j'ai de quoi... J'ai suffisamment de DPS pour tuer tout ce qui arrive en face. Mais je n'ai absolument pas de quoi retenir tout ce qui va avancer sur moi pour avoir le temps de leur faire le DPS. Et ça, c'est compliqué. Je vais sortir avec la cave directement. Mettez-vous tous bien là. Corsair là. Il faut impérativement que les tours balancent tout ce qu'elles peuvent. Et il faudra effectivement passer à une défense de centre après. Hein. Alors, tirer sur les sauriens de l'effroi. Je pense qu'avec la cave, je vais essayer de bloquer les tours pour pouvoir les détruire. Mais qu'est-ce qui prennent cher comme ça? Ouais, ça va pas marcher, ils perdent déjà leur commandement. Super. J'ai pas vu ce qu'il avait comme domaine de magie l'autre. Allez. Qu'on a encore là-dedans, ouais. Ok, tour cassé, c'est bon. Une de moins. Ok, les sombres traits, tuez le Slan. Tuez le Slan, qu'il puisse au moins plus lancer de sorts. Je vous en supplie. Vous venez par là, il va falloir essayer de se faire l'unité de gardien du temple. Parlant de ça. Oh, vite. Oh, le petit ricochet. Ok, le Slan, il est en train de prendre tarif. C'est déjà ça. La porte est cassée. Le Slan n'est pas mort, mais presque. En plus, ils me tombent dessus avec leur... Oh, jamais, jamais ça tient. Jamais ça tient, ça.
Ouais, c'est ce que je disais, ils sont déjà sur moi. Et j'ai déjà strictement plus rien pour les arrêter. Ah ouais, il me marche dessus. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Et les étripodactyles, quel enfer tant qu'il en reste un, ils sont chiants. Allez, replacez-vous quand même, parce que là, je manque de DPS. Mais au moins, les furies là-bas, quoi. Fais quelque chose! Ça passe. Oh mais incroyable, tel un chat sous une porte. Ah, j'étais prêt à abandonner tout espoir. Non, ils sont en train de me marcher dessus. Ah ben finalement. Ah ben ça passe. Incroyable. Dans le cimetière des éléphants. Ouais, ils vont encore y aller. Là, c'est bizarre pourtant des hommes lézards, quoi. Hommes lézards, c'est quand même loin d'être ceux qui ont le pire moral du jeu. Il est déjà en train de mourir, lui, c'est assez bon signe. Si je lui pique ses territoires avec Elbron, le reste va s'enchaîner. Et après, je serai tranquille. On aura tout eu le tuant. Déjà, ça, c'est bien. Je pensais qu'il avait un peu plus d'armée que ça. Je suis étonné. Qui a le meilleur moral ? Le chaos a un très bon moral dans son infanterie. Mais les nains aussi quand même. Merde. La grosse infanterie d'élite qui tank chez les nains. Ah, j'ai mangé le nom. Les brise-fers. Les brise-fers, question morale. Je sais plus combien ils sont exactement, mais je crois que c'est une des meilleures unités du jeu en termes de morale. En termes de résistance tout court, hein, de toute façon, c'est une des meilleures. Je vais pas investir en Albion. C'est ici qu'il me faut investir le plus. Voilà ça. Croissance bien sûr. Ça c'est nice. Ah mais non, les deux autres armées, elles sont mortes. Donc nickel. On va juste prendre ça, toi. Ouais, par contre, je vais recruter avec cette armée-là. Hein. Voilà, de la chair à canon, mais au moins de quoi tenir un petit peu plus le centre au cas où, parce que bon, les hommes lézards visiblement vont continuer à faire le truc. Malus ! Mais c'est pas possible ! Merci Rem pour les 6 mois. Toujours plus de misclick ? Oui ! Bon, pour l'instant ça va, hein, question misclick. Ah oui, c'est vrai, le timing !
Le shut up demon de Malus, pile au bon moment. J'avais même pas pensé. Attaque en mêlée plus 8 pour les chevaliers sur sang-froid, chevaliers de l'effroi sur sang-froid et tout. Ouais, c'est vrai que les. C'est mon seul seigneur. Maître des bêtes, mais. C'est clair qu'il lui faudrait, une armée un peu plus à thème en fait. Avec des chevaucheurs de sang-froid et des trucs comme ça. Brice Fernin, 85 de morale. Ah, c'est énorme. Summon the Elector Counts. Merci Gizmo pour le Prime. Bienvenue. 85 de morale. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait... Est-ce qu'il y a des unités qui ont plus que 85? C'est monstrueux, hein. Quand on sait qu'en plus, ils ont une excellente défense. Excellent... excellente armure. Ils lancent des charges explosives. Ils font pas trop de dégâts. C'est pas eux qui font du gros dégât, évidemment. Pas leur rôle. Sauf sur du trash mob, hein. Et ça, ils peuvent meuler du trash mob pendant des heures sans aucun problème. Les tueurs. Non, les tueurs, c'est différent. Ils sont indémoralisables. C'est comme les flagellants. Ils sont indémoralisables. Donc ça, c'est... Mais dans les unités qui ne sont pas indémoralisables, les brise-fers sont probablement... Parmi les meilleurs. Oulala, oulala. Là, c'est une map fort ouverte. Enfin, une ville fort ouverte. Après, c'est majoritairement de l'infanterie. Et de l'infanterie, pas nécessairement ouf. Donc, je pense que je vais partir aussi sur une défense de muraille, hein. Je crois pas que je vais partir sur une défense de centre là. Et vu qu'ils ont pas de cave, je vais sortir la mienne. Ah mais non, ils ont beaucoup d'archers. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il me reste? Fury et deux sombres traits. Les deux sombres traits, je vais les mettre là. Ah, il y en a encore là! Faut que toutes les tours envoient la sauce dès le début, hein. Prendra des renforts comme on peut après. Ok, je vais avoir de quoi leur faire très mal avec les bombardements de l'arche par contre. Sur une infanterie comme celle-là, ça va faire mal. Alors, toi, tu vas là. Merde, cette tour-là, elle fait rien. C'est tout ? C'est un peu court, ça. Oh oui. Ça, notamment sur les archers, ça fait super mal. Nice, GG ça. C'est beau. Ça, c'est bien sur ce genre d'unité, surtout quand elle est statique. Ok, descendez, vous. Non, pas ça, pas ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, il me pose vraiment problème. Avec leur tireur, hein, bizarrement. Enfin non, pas tellement bizarrement, en fait. C'est assez logique. Non, restez en bas. Oh.
Oui, c'est ça, et je regrette même pas. Ah shit, ah, c'est juste pour les faire tenir un peu. Fallait bloquer. Ah, c'est les bombardements de l'arche qui font tout là. Oubliez les murs, restez. Restez en dessous. Oh, les furies qui font le taf. Ah merde, la porte. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Mmh. Ah, mince, il s'avance. Eux, ils ont l'air à l'arrêt. Merci Itanios pour les 2 mois. Déjà 2 mois, ça passe vite quand on s'amuse. Ma fille, tout juste née, aura-t-elle la bénédiction? Mais bien sûr. Les bonnes vieilles questions. Ouais. On l'a fait baptiser, si tu veux. Alors... moi, ce que j'en pense... Venez l'Omnifion ? Non ? Encore ? Oh, ça, ça va faire mal aussi, ça. Par contre, ils sont quand même en train de me... de me gratter un peu, mais non, ça va. Juste essayer de pas... Par contre, si leurs archers veulent prendre les murs, je peux en profiter. Bon, il y a encore du monde là. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup! Ouais, c'était un peu à côté, dommage. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils ont la rage maintenant. On peut rester tranquille. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est... mais c'est Alberic! Mais oui! Comment je vais le gérer? Enfin, sombre retrait. Faut que je fasse venir le max de sombre retrait par ici d'ailleurs. Toi, vas-y. Ah, ce ne sera pas nécessaire. Toujours sympa en plus le trait d'Alberic pour les arches. Ça fait quand même un petit bonus pour les batailles en mer. Vous le sentez venir dans Total War Warhammer 3, le DLC Tankol avec l'arrivée des Verminiarchs. Le DLC Tankol, c'est très très forte chance, ils en ont parlé et... ah, ils en ont parlé quand même de manière assez claire. Par contre, est-ce que ça veut dire Verminiarchs? Verminiarchs, c'est pas du End Time? C'est pas du spécifique End Time, ça? Ou ça existait aussi sur Battle? Qu'est-ce que j'ai cliqué? Qu'est-ce que j'ai cliqué? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai cliqué? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est en convalescence, mais super! Donc j'ai cliqué sur un truc qui fait que j'ai gagné je ne sais pas quoi, mais ok. Summon the Elector Count! Merci Yoyor pour les 2 mois. Il y a une figurine de Verminark V5 qui date des années 90. Ah ouais, oui, d'accord. Donc alors oui, ça peut complètement arriver dans Warhammer 3, ça. Avec Tankol, du coup, effectivement, ce serait assez logique. Ah! Merde. Ok, Malekith, il est temps que tu viennes montrer... On va prendre les terres de Nagaroth et qu'on ne les rendra pas. Morati, elle est là et elle sert à rien alors que c'est ma meilleure armée. Oh là là. Mais il faut bien que quelqu'un reste en Bretonnie, sinon ça va mal se passer. Par contre, Endtime a changé le lore des Verminark un peu. Ah ouais. Bah, il reste basé sur Battle, a priori. Enfin non, pas a priori, c'est ce qu'ils ont dit. Donc à voir comment ils vont organiser ça, mais effectivement, le DLC Tankol plus Verminark, du coup, fort probable. Après, plus tard, quoi. Pas à la sortie de Warhammer 3, hein, bien sûr. T'as gagné du buff en jouant ton Lord. En louant ton Lord. Ah, c'est ça. Mais je sais pas, j'ai voulu cliquer sur un truc et ce bouton est apparu à la place. Endtime n'a jamais été interdit pour Total War Warhammer. D'ailleurs, il y a pas mal de nouveaux profils. Alors, ils ont annoncé à la sortie, enfin pour l'annonce de Total War Warhammer 3, ils ont dit la temporalité ne correspond pas à Age of Sigmar ni à Endtime et on se focalise pour les figurines sur tout ce qui est Battle et pas Endtime ou Age of Sigmar. Donc voilà, il y a quelques exceptions qui sont déjà présentes dans le jeu pour le moment, genre Arcane qui a son skin fin des temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon, ça, ils ont été assez clairs là-dessus. Une avancée dans le choix des figurines. Pour mon armée 40k, pour l'instant, oui, je commence à avoir une petite liste qui commence à prendre forme. Mais j'attends d'avoir mon codex pour finir. Enfin, même si on m'a déjà bien aidé avec des listes préexistantes. Et puis bon, j'ai quand même pu regarder un peu certaines règles. Donc je commence à savoir un peu. Du coup, une partie avec Alpha prévue. Tu veux jouer quelle faction? Iron Hands. Pour ceux qui savent pas. Mais pour le reste, des parties prévues, moi c'est mon objectif, c'est mon projet par rapport au jeu de figurines. C'est de pouvoir aller affronter des gens, évidemment. Alpha, c'est la difficulté, c'est qu'il est fort loin de chez moi, quoi. Je dois limite prendre l'avion pour y aller. Donc ça complique les choses, mais moi l'idée c'est clairement qu'on puisse aller affronter du monde, quoi. Ça commencera avec d'autres gens. Voilà, ça qu'il faut se dire. Ça commencera avec d'autres gens, plus près de chez moi, plus facile à faire. Et puis que je m'exerce. Je pense que lui, il va faire pareil. Il va, de son côté, il va aller affronter des gens près de chez lui. Histoire de s'exercer. On débute dans le jeu. Le jeu de figurines, le jeu de plateau, on débute tous les deux. Tous, enfin, dans tout le groupe d'ailleurs. On est tous à peu près débutants, en fait. Ça qui est cool. Et puis il y a la complication Covid aussi, hein. Faut pas négliger. Mais c'est clairement mon objectif. C'est quoi le jeu prévu ce soir? On sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Bah, soyez patient. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très très cool. Ça fait aucun doute.
Best Marmotte, oui, il est beaucoup moins loin de chez moi. Ça fait partie des possibilités pour le début, on va dire, sans devoir prendre l'avion, sans devoir aller très loin. Et j'en ai d'autres. Franchement, je vais déjà avoir de quoi faire en termes de bataille pour m'exercer un peu et faire des vidéos sympas petit à petit de découverte de tout ça. Clairement, il y a de quoi faire pas trop loin de chez moi. Iron Hands plus Mechanicus. Non, juste Iron Hands. Oh oui, enfin, fous-moi la paix. Oh, il a enfin compris. Et du coup, Malus va accepter que je le... Oh, il vient se suicider. Sur un malentendu, je peux peut-être essayer de tenir Albion, mais j'y crois pas trop, parce que sans muraille, le premier truc qui va débarquer, il va me... Première armée qui va débarquer, elle va m'éclater. Ok, ça se développe bien ici, Nagaroth, ça c'est cool. Et vu que la bagarre est plutôt du côté de l'est, avec Malekith qui arrive... Oula, oui, les Bretonniens se réveillent. Vas-y, débarque. Quartier maître pour tous ceux que je peux. Ouh, la grosse bagarre. Ouais. Jeanne est louant contre Malekith et ses sbires. C'est parti. Ça va être un sacré bordel. Tu parles de jouer au jeu de figues, mais ton niveau peinture, ça en est où? Peinture, ce sera pour après, pour plus tard. Ah, je sais pas si Malekith va arriver là ou là. Je préférais qu'il arrive là. Et meilleur de... Oh là là. Ok. Ah putain, mais quel bordel! Remettre des armées en ordre en légendaire sans la pause active. C'est vraiment le pire truc. Oh là là, il va y avoir tellement de monde qui vont converger. Merci vers Malekith. D'avoir rejoint l'homme. Vous allez vous mettre. Faites-moi une ligne pourrie, mais. À peu près. Merci le grand ancien pour le sub. Bienvenue à toi. Ah! Wow. J'ai mis click, putain de... Wow. Putain, ça y est, le Charybdis il meurt parce que je l'ai pas vu. Eh ben c'est super. J'adore ce genre de bataille. Avec les renforts, quel plaisir. Voilà, cette armée là qui se gratte la nouille pour l'instant, tout va bien.
Évidemment qu'ils ont tout le temps de me... Potion. Allez, attrape-les toi. Non, merde, il est pris d'arrache. Neutralisez-les. Allez, quitte. Petit coup de main. Ah putain, ils sont sur mes arrières. Ok, là-bas ça bouge. Essayez de décaler vers moi, vous. Ça serait quand même utile. Ok, Maliki, tu vas mettre une petite tempête là-bas. Ils sont en train de me flanquer complètement. Faut que je me prépare à les accueillir. On va venir se remettre là. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ok, je gagne un peu de temps ici. Continue à décaler. Recule, toi, recule. J'aurai encore besoin de tes souffles. Oh, ce bordel. Refermé. Oh, mais je vous déteste, chevalier du royaume. Mais bordel. S'il descend, il est mort. Pire choix, mais ok. Oh, la saut. Allez, il va falloir mettre la max. C'est la seule manière de les choper. Ok. Allez, toi aussi. Allez, les renforts. Où est-ce qu'il y a encore de la cave? Ouais, leur cave, elle est sur mes arrières et puis c'est tout. Hein. Oui, ça a marché, ils sont partis. Oh, trop loin. Non, pas trop loin, pas mal. Vas-y, fais-moi un souffle. Malekith, tu vas faire pareil. C'était pas mal. Vas-y, va dedans. Non, faut que je m'occupe de... Ok. Allez, j'ai beaucoup de DPS qui arrivent là. Buff Malekith. Toi t'y vas à fond parce que c'est quand même louant. Il est pas facile à tomber. Il faut que je décroche les arbalétriers. Ok, allez, passez sur le côté vous. Quoique faudra quand même que je stoppe le reste de l'armée qui arrive là. Le laisse pas partir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Jeanne? Oh là, oh là. Oui, les deux seigneurs sont tombés. C'est bon ça. Allez, maintenant. Toi, j'ai une mission pour toi. Ça va peut-être pas te plaire, mais
Mais crois-moi, ça va être utile. Oh. Allez, Malekith! Ça tient, ça tient. Le bordel de l'armée. Ça tient. Toi, va t'occuper des catapultes. Aïe, aïe, c'est à moi, ça! Yes! Oh, quel bordel! Ah! 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 Je peux pas voter contre ma faction de cœur. La Bretonnie. Ah ouais, il est mort, lui. Bah, la difficulté de ce genre de... En théorie, j'avais tout ce qu'il faut dans mes troupes pour pouvoir affronter sans aucun problème ces armées-là. Hein. Mais le problème, c'est... le fait de pas avoir le temps de se placer et tout, quoi. Ça, la difficulté de ce genre de bataille. J'ai perdu 3 unités, dont l'hydre, dont le Carib 10. Pas cool, ça. Attends, amiral blessé. Quoi? Je peux remplacer un amiral par un seigneur normal? Mais si je fais ça, ça reste une arche? Ah bah non. Du coup l'arche est perdue. Logique. Super. Qu'est-ce qu'on peut recruter du coup dans le coin? Rien. Tu torches? Voilà. Finalement. Ouais, il a pas grand chose lui. Toi commence à recruter par contre. Ok. Faut que je continue à m'étendre ici, moi. Ça... Ah bah oui. Allez, va chercher ça. Parfait. Elbron, elle est où? Elle est là. Elle, il faut qu'elle aille à l'hôtel d'Azurian. Là, il y a un tout petit morceau d'armée qui arrive. C'est pas dangereux. Allez, mine-toi. Voilà, voilà. Rébellion imminente à Paravon, tiens. Ouais, bah oui, bah... Juste, il marche. Tant pis. C'est marrant que... Que l'Empire, il arrive pas à m'atteindre. Enfin... Il m'attaque pas. Il vient pas.
You carry yourself with much dignity for a corpse. Petite question pour ton armée Iron Man, tu comptes faire un chapitre successeur que tu crées ou alors tu restes sur le chapitre papa? Non, je vais rester sur le chapitre papa, je pense. Ah parfait. Oh parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais peut-être bien en finir avec eux. Summon the Elector Count. Merci Aurofer pour les 8 mois. Je préfère avoir des actions Chaos Corp que des bitcoins. On a beaucoup parlé du bitcoin ces derniers temps, tiens. Moi qui ne suis ça que d'un œil très lointain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bitcoin récemment? Apparemment il a explosé ou je sais pas quoi. Il a encore atteint des records. Oh, c'est quoi ça? Flamme d'Azurian corrompu. Relations diplomatiques. Plus 50 avec les elfes noirs. Malus, bonjour. Relations diplomatiques, plus 100 avec les... les hauts elfes. Ordre public, plus 5. Corruption préférée de la faction propriétaire, plus 2 dans toutes les régions. Mais c'est super bien. T'aurais acheté 200 balles de bitcoin il y a 10 ans, tu serais millionnaire maintenant. Putain. Ouais, bah moi j'ai choisi d'être streamer. On peut pas réussir à tous les coups. Sur la route du millionnariat. Fois 1392 actuellement par rapport à janvier. Fois 1392 par rapport à janvier. Tesla a placé sa trésorerie dans le Bitcoin, du coup ça a flambé. Ah, c'est ça l'histoire ? 1,392. Ah, d'accord. Eh, mais il faut mettre une virgule, pas un point. La vache. Oui, mais fois 1300, c'est... Oui, non, c'est... Point, c'est en anglais, oui, tout à fait. Ils sont encore vivants, du coup, les... Ah ouais, ils ont encore ça. Que je peux pas aller chercher, j'ai pas d'armée à proximité. Toi ma chère, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Bon, Malekith, même s'il manque un petit peu de troupes, on peut quand même au moins finir cette armée là. Je sais pas si j'aurais la portée. Pourquoi Malekith il avait pas de portée? Il avance pas là? Y a pas que ça, PayPal a annoncé faire des transactions en Bitcoin et beaucoup de grosses banques ont déclaré avoir acheté du Bitcoin. Ah, et c'est ça que ça a flambé ces derniers temps? C'est dingue quand même, les trucs qui peuvent complètement s'emballer, un truc de dingue quoi. Ils en sont où GameStop d'ailleurs? Ah oui, très bonne question ça, je ne sais pas du tout. Il y a eu des suites de ça parce qu'aux dernières nouvelles c'était le gros bras de fer entre les investisseurs et les boursicoteurs. Je ne sais pas du tout où ça en est. Du coup tu joues Iron End, les autres vont jouer quoi? Il y a un peu de tout, il y a du Orc, il y a du Space Marine du Chaos, il y a du Tau, il y a...
Ah bon? Il y a du Astra Militarum. Il y a du Custodes. Il y a du Tyrannide. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas d'elfe. C'est une des rares factions qu'on a. Une des rares races qu'on n'a pas du tout. Ni elfe, ni dark elfe, ni. Enfin, aucun elfe, quoi. Nécron. Il y a des nécrons aussi, c'est vrai. Sans sous, évidemment. Avec ces nécrons de ses bords. On va voir s'ils sont aussi infernaux à affronter sur le jeu de plateau qu'ailleurs. Je pense déjà avoir ma réponse. Mais nous verrons. Oui, tu vas voir, les nécrons, c'est détestable, ça meurt jamais. Ah bah sur, sur Gladius, j'ai bien vu, oui, oui. C'est assez l'enfer. Quelle saloperie. Bon. Est-ce que Malekith, ça vaut la peine qu'il récupère les sombres traits et qu'il poursuive? Ouais. Pourquoi pas. Mais lui, il faut qu'il investisse dans son arche, en fait. Ça, je m'en tamponne totalement, par contre. Je pourrais faire un autre bâtiment à la place. Plus 15 000 balles, ça va commencer à se voir que je peux faire une autre armée, hein, mais si je le fais, ça veut dire... ça veut dire moins d'investissement dans la zone que je suis en train de sortir. Et plus longtemps je continue à balancer tout mon pognon en investissement, plus je snowball vers le... enfin, vers plus de thunes, plus de thunes, plus de thunes. Ah ouais, Kennel, oh, pff, j'ai pas l'intention de le tenir, tant pis. L'Empire n'a qu'à le récupérer, j'ai juste 7 cités mineures dans cette province, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ok, qu'est-ce qui reste dans cette province? Bah rien. Je pourrais aller chercher... ah oui, Nagarond, j'ai pas tout. Ah oui, il est prêt au fait, lui. Il est où? C'est lui, hein. Alors, Nagarond, justement. Peut faire quoi? Ce serait bien d'avoir de nouveau une province un peu axée recrutement. Oh la tunasse que je vais me faire là. Ok, faute de mieux, récupère. Non, pas cela. Voilà. C'est pas si mal.
Eh ben on va s'arrêter là pile poil. Merci YouTube. À bientôt. Bisous.